Quiconque veut entrer en contact avec les Orangi doit faire appel à la magie. Pour les habitants de la côte, comme Voltaire et Japhet, les gui restent invisibles. Ils ne pourront voir les nomades de la forêt qu'après s'être soumis au sortilège des yeux. Peu de gens maîtrisent encore ce rituel. Le vieil Estefanus est l'un d'eux. Il concocte une préparation avec une plante qu'il est allé cueillir la veille dans la forêt. La recette du sortilège des yeux se transmettrait oralement depuis l'époque où le peuple primitif s'est séparé en deux branches. Avant le cérémonial, les hommes se sont lavé le visage avec une substance purifiante. Voltaire est prêt. La sève de la plante provoque une vive brûlure. Elle est censée purifier le regard et rendre l'invisible visible. Puis c'est au tour de Japhet. Aucun des deux hommes ne doute de l'efficacité du rituel. Ensuite, il s'asperge les yeux avec de l'eau douce afin d'atténuer un peu la douleur. Japhet et Voltaire font confiance à Estefanus, même si le rituel n'est plus pratiqué depuis longtemps. La magie sera-t-elle encore assez puissante? Vont-ils rencontrer les nomades de la forêt?